Please be seated. The court is back in session. Le président, veuillez vous asseoir. L'audience reprend. To take the floor first, the co-prosecutor first. Nous allons d'abord donner la parole au coprocureur. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, I just wanted Monsieur to le Président. Correct, je voulais simplement for the record, something that was stated by counsel, corriger before the break. Verbal, he indicated that pause, civil party applications were not provided under oath. I apologize for not getting it earlier, but the two that were on the screen were in French, and I was looking for an English version just to confirm my understanding. But la version française qui était affichée, in fact, in section D of the civil party applications, where they placed their signature, en anglaise, la signature est apposée, they declare specifically et, that, to the best of my knowledge and belief, déclare the information I have given in the present form is correct. La otherwise, que I will be liable under the applicable law. This is certainly some form of oath, précise, so I think sinon, it is incorrect to assert that these statements are not provided under oath. Donc, je crois qu'il s'agit, si ça n'est pas un serment prêté en l'occurrence, de quelque chose qui s'en approche fortement en ce qui concerne les la demande de constitution de partie civile et nous soutenons tout à fait le recours à ces témoignages. Nous pensons que cela sert positivement la procédure. Ça permet d'établir la chronologie des faits et il a été possible d'obtenir les déclarations de témoins, qu'ils soient prévus de les faire comparaître ou pas. Il est bien entendu que les 4000 parties civiles ne vont pas pouvoir se présenter devant la cour pour The knowledge of a witness, faire des déclarations, such as in this case where we have someone who has come in and made assertions that there were no forced marriages, that there was plenty of medicine, and other assertions regarding the conditions in the monetary sector, it seems to us entirely appropriate that he be confronted with the voices of the victims from that region. So for those reasons, we would support de sa région. Et pour toutes ces raisons, dès lors, nous soutenons le recours par les parties civiles à cette source de documentation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Let me first address the prosecutor's remarks. Monsieur le Président, j'aimerais en premier lieu intervenir par rapport à ce qu'a dit le coprocureur. Une affirmation n'est pas un serment prêté. Il devrait savoir, en tout cas en ce qui concerne ces déclarations ou les résumés de ces déclarations que nous fournissent le bureau des juges d'instruction. Nous avons une déclaration qui est ensuite résumée, qui est ensuite fait l'objet d'une signature ou de la position d'une empreinte digitale. Il y a une différence importante entre prêt et serment et cela. Donc ceci en premier lieu, et c'est le plus important. Notre position est avant tout une position de principe, qui est la suivante. Si vous devez ou vous entendez recourir à des déclarations qui ont été faites aux fins de se constituer partie civile, du fait de savoir si la personne a un intérêt particulier pour se constituer partie civile, on ne peut pas ipso facto conclure et dire que ceci a été fait de manière sincère. C'est une sincérité qui doit être mise à l'épreuve de la confrontation si nécessaire. Et dans ce cas précis, ces déclarations sont utilisés pour mettre à l'épreuve la crédibilité de ce témoin particulier et dans l'un de ceux-ci, D22-2760, page 5, version Khmer, implique clairement le témoin lui-même. En d'autres termes, la partie civile utilise une déclaration faite par une partie civile pour traiter le témoin comme s'il s'agissait d'un accusé. Ça, Monsieur le Président, vous nous avez tous avertis qu'il ne convenait pas de procéder de la sorte dans ce prétoire. Donc nous pensons effectivement qu'il y a une différence fondamentale. Notre position, en toute franchise, est la suivante. Il nous faut une série de directives et de règles qui seront suivies de manière uniforme et universelle pendant tout le procès. Nous ne pensons pas que ces déclarations doivent être versées à moins que le
le témoin ou la partie civile soit appelé à témoigner. Bien entendu, il faut que la voix des parties civiles soit entendue, nous n'avons aucune objection à cela. Mais alors, manifestement, nous voulons qu'il soit clairement indiqué que peu de poids, si l'on doit accorder un poids quelconque à ces déclarations, n'y sera accordé, à moins que l'on ait la possibilité de procéder à une confrontation. Et donc, si quelqu'un dit, voilà, les choses étaient comme ceci ou comme cela dans telle région, c'est une déclaration qui n'est pas suffisante au niveau de la force probante, à moins qu'il y ait des éléments plus probants pour soutenir ces affirmations. Donc, il faut pouvoir apporter une preuve lorsque l'on fait ce genre d'affirmation. Je vous remercie. Le président, oui, maître, je vous en prie. Merci, monsieur. Pour illustrer ce que vient de dire mon confrère, deux des parties civiles qui ont été citées par maître Simonofor à l'instant, Sourdiem et Sruoktras, sont des gens qui portent plainte contre ce témoin. Alors cela pose effectivement un problème. Et je crois que c'est cette question-là qui doit être réglée, d'autant que notre confrère nous a indiqué que ces deux personnes ne figuraient pas sur la liste des parties civiles qui devraient comparaître devant vous. Le président, lead co-lawyers for civil parties. Puis les co-conseils. Please be reminded that you are not supposed to en chef pour touch upon the civil, same vous issue. Vous ne devez pas revenir sur la même question. It is strange the chamber has discussed la this chambre issue a abordé cette and is about to rule on the matter and now parties et va trancher stand up. Sur cette question. To talk about this same issue. Et les parties, en fait, prennent la parole pour revenir sur la même question. Mais la Chambre trouve aussi un intérêt à entendre les arguments présentés par les parties en la matière. Il est également surprenant que the parties did not les stand parties up right after ne se soient pas levées immédiatement après que la référence au document ait été fournie. La Chambre time and a again indiqué if de manière répétitive que si une partie to oppose to the document being referred to, désire that party should s'opposer à la présentation d'un document, cette opposition doit être signifiée immédiatement. The chamber can rule on ce qui permettra à la Chambre besides, de trancher la question. A party ceci can mis à part, to une the partie ne peut s'opposer once, à une pratique qu'une seule fois. And once the matter has been ruled on, et une fois qu'une décision a été prise par la Chambre, il n'est pas possible de soulever la même objection. Please be informed and not to confuse the donc, je voudrais que vous vous teniez informé de cela pour ne plus perturber la morning, procédure. Mr. President, conseil good morning, pour la partie civile. Bonjour, M. le Président. Bonjour I à tous. On my feed. Mesdames et messieurs les juges, je me suis it's not to respond levé non pas pour répondre to what has been raised by the two aux points qui teams ont été soulevés par les deux équipes de défense. Rather, I am to respond to them, especially to Counselor Canovas, pour répondre à Maître Canovas, who said that the qui statement of this civil party indiqué que la déclaration de cette partie was civile not made before the official of the co-investigating n'avait pas été faite en the présence des responsables. To respond to this matter, I would like to state that civil parties are not obliged to take an oath. Je voudrais réitérer le fait que les
already been stipulated demandant à se constituer partie civile sont pas obligés à prêter serment et ceci en vertu de la règle 23 du règlement concernant les parties civiles. Dès lors, la déclaration des parties civiles peut faire partie des éléments de preuve soumis à la considération de la Chambre. In this regard, et à cet égard, is the argument that the civil party l'argument selon lequel did not take an oath la partie civile cannot be taken into n'a pas account. Prêté serment ne doit pas être pris en considération. Secondly, as indicated in deuxièmement, the civil party comme victim information form, stipulé dans le formulaire d'information pour les parties civiles the information victimes, is not intended to l'information ne vise pas, incriminate qui est contenu, ne vise the pas witness. À incriminer le témoin. We have been trying nous only to elicit information from the witness. Rien this fait d'autre que d'essayer d'obtenir des informations technique. Du témoin. C'est notre méthode. As well in the victim information form. Et il faut savoir également que dans le formulaire d'information pour les victimes, la partie civile a indiqué qu'il ou elle wishes to apply as a civil party and he or entendait she se constituer does not partie civile et qu'il ou elle n'avait pas l'intention accuse this witness. De porter des accusations à l'encontre du témoin. Tout ceci form. Est stipulé you, clairement dans le formulaire. The President, now that the Chamber has heard from deux renseignements relatifs à la victime extract from donc, the civil party victim information form, dit le Président, the Chamber en ce qui concerne les extraits will decide on this matter qui in ont été lus à partir de ces formulaires, la Chambre tranchera cette question next, the Chamber would like en to temps utile. La Chambre désire maintenant informer co-lawyers that les the Chamber has heard a lot about the co-avocats principaux concerning the que beaucoup d'informations background of Democratic ont été rendues concernant le contexte so, du Kampuchea party démocratique are et donc reminded les not to conseils pour les partis civils go into this se matter voient in more rappeler detail. Qu'ils ne doivent pas entrer plus avant time. Dans le détail de ces questions afin de ne pas civil perdre de temps. Les conseils pour les partis civils se voient signifier qu'ils doivent passer aux questions portant sur la structure administrative, level. Soit au niveau local, soit aux échelons supérieurs. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ce témoin est interrogé sur la totalité du cas numéro 2, si je ne me trompe pas. Le procureur a pu poser des questions sur la totalité du cas numéro 2 et j'aimerais pouvoir poser des questions sur la totalité du cas numéro 2. Je précise que vous l'avez sans doute compris, j'ai évoqué les déplacements, j'ai évoqué les coopératives, je souhaiterais pouvoir évoquer l'élimination des personnes et les camps de sécurité, les centres de sécurité, rapidement, les persécutions religieuses et les mariages forcés. J'ai très peu de questions, je peux finir très rapidement. Je souhaiterais pouvoir exercer mon travail d'avocat de partie civile et pouvoir poser des questions. Puis-je le faire? Ask the relevant questions. Do I have your authorization to do so, Mr. President? Le Président, je vous ai déjà informé ce matin du fait que vous pouvez poser des questions à ce témoin en ce qui concerne les dossiers 001-002. En ce qui concerne les faits relatifs au dossier 002, ceux-ci sont très différents de celui de ceux portant sur le dossier 002-1. Mais les faits happened in sector 105 qui se sont produits dans le secteur 105 ne sont pas repris only dans l'ordonnance de clôture. Seuls
ceux de la province de Trump sont repris dans l'ordonnance de clôture. Et donc, vous devez limiter vos questions à ce qui s'est produit dans la coopérative de Tramco. If you have concernant le secteur de Mondelkiri, vous devez identifier l'extrait ou le paragraphe relatif à cela figurant dans l'ordonnance de clôture. C'est à titre d'information pour la Chambre. Très bien, Monsieur le Président. Je vais poser des questions sur le centre de sécurité de Phnom Kraol, qui je crois est dans le champ du dossier 002. À propos des disparitions, vous avez dit, monsieur le témoin, que vous avez dit à monsieur le procureur, qui vous a montré une liste de prisonniers arrivés à S21 le 23 novembre 1977, que vous n'étiez pas au courant de l'envoi de personnes à S21. Est-ce que vous avez vu ou entendu parler de personnes qui ont été arrêtées et qu'on a emmenées à pied ou en camion vers une destination que vous ne connaissiez pas? Réponse, je ne suis pas au courant de cela. Monsieur le Président, suis-je autorisé à lire un extrait d'un document D22-2796, qui est une déclaration de partie civile qui évoque des départs de personnes du secteur 105 vers S21. Il s'agit d'un URL. Alors, les pages en français sont les pages 6, 7, 8 et en Khmer, l'URN est 0, 0, 5, 5, 6, 5, 4, 3 jusqu'à 0, 0, 5, 5, 6, 5, 4, 4. Puis j'évoquais cet extrait. Do I have leave from the chamber to quote from this document? Président, can you identify the title of the document? Pouvez-vous nous donner le titre du document? Le document est une déclaration de partie civile. Yes, indeed, it is a statement of a civil party. D22/2796 for the record. You may proceed. Le Président, je vous en prie, vous pouvez continuer. Even though the chamber has been received with objections from the defense, but the chamber will decide on the matter in due course. De la part de la Défense, la Chambre tranchera en temps utile et désire informer les conseils de la partie civile également du fait que
the documents that you are les documents auxquels vous faites référence has little à présent probative value. Ont peu de valeur probative ou de force probante plutôt. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais donc lire un extrait dont j'ai donné les références en français et en khmer. Je n'ai pas de traduction en anglais, malgré ma demande. Donc, cette partie civile indique ceci. Fin 1975, j'ai conduit un camion rempli d'hommes et de femmes accusés d'être des traîtres à la nation, complices des Vietnamiens, vers la province de Kratie. Quand nous sommes arrivés à la commune de Tmak Krai, district de Kratie, province de Kratie, des canots les y attendaient pour assurer la suite du voyage. Je ne savais pas où on les emmenait. J'ai seulement entendu dire qu'on les emmenait pour les éduquer. Ils ont disparu depuis. On ne les a jamais vus revenir. Puis, à la page suivante, ce témoin dit début 1978, j'ai été renvoyé travailler comme chauffeur, comme dans le passé. Le camarade Sion, qui était le chef du bureau du commerce, m'a dit « Tu ne dois pas faire autre chose que de réparer les véhicules, en sorte qu'aucun ne tombe en panne. » À ce moment-là, il y avait deux camions de fabrication chinoise réservés au transport des gens que les hommes de Pol Pot considéraient comme traîtres et qu'il fallait emmener pour les tuer dans les environs de la montagne Kraol, qui se trouvait à peu près à 5 km du chef-lieu du district de Konek. Chaque jour, à l'aube, deux véhicules partaient, avec 10 personnes ou plus à bord, et ne revenaient qu'une heure plus tard. Fin de citation. Monsieur le témoin, est-ce que cela vous rappelle quelques souvenirs? Any scenes that you may have witnessed? My answer is that I ma réponse est que je ne suis pas au courant de cela. En 1975, je n'ai ni entendu ni été le témoin de ceci. Je vous remercie, Monsieur le témoin. J'ai une deuxième question sur Phnom Kraol et puis j'aurai une dernière question sur les mariages forcés qui, je crois, rentrent dans le champ du cas numéro 2 sur la totalité du territoire. En ce qui concerne Phnom Kraol, je voudrais évoquer le dernier interrogatoire de ce témoin qui porte la référence E3-404, page 5 en français, on page 5, ERN Khmer 00398484, ERN anglais 00403027. Puis-je évoquer ce document rapidement, Monsieur le Président, il est affiché, si vous le souhaitez. Le Président, je vous en prie. Je vous remercie. À la question suivante, au moment où vous avez pris le contrôle de la région 105, est-ce que le centre de sécurité Phnom Kraol était encore en fonctionnement? Vous avez répondu, je vous cite, monsieur, il fonctionnait normalement. Et vous ajoutez, cela dit, on n'a pas arrêté telle ou telle personne. Est-ce que je peux vous demander, monsieur, ce que cela signifie, un centre de sécurité qui fonctionne normalement? I réponse. Said that to the co-prosecutors. J'ai indiqué cela aux co-procureurs. When I said it was
Lorsque j'ai dit qu'il fonctionnait normalement, cela signifie qu'il n'y avait pas de perturbation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Puis-je évoquer un document D22-452 qui est une déclaration de partie civile qui porte les ERN en français 0081451 et en khmer 00058 0977. Je voudrais utiliser l'information supplémentaire et évoquer ce que dit cette personne sur Phnom Kaol. Information as provided for by this individual who speaks about Phnom Kaol. You may proceed. Le président, je vous en prie. Je vous remercie. Donc cette partie civile, qui est une femme qui avait 24 ans en 1975, indique ceci. Mon mari, je ne donne pas son nom, avait été affecté au centre K-17, situé à la montagne de Krol. Le centre K-17 était limitrophe de la prison de Phnom Kraol et sous la supervision de la région. Puis je saute un paragraphe et elle dit ceci. À côté du centre K-17 existait le centre K-11, réservé à l'unité d'avant-garde qui était chargée d'effectuer des lourds travaux tels que la construction de barrages. J'ai été parfois envoyée travailler avec les gens du centre K-11. Là, j'ai assisté à des scènes d'arrestation. Les victimes avaient les mains liées derrière le dos et faisait marcher en file indienne. Monsieur, est-ce que cela vous rappelle quelque chose sur ce centre de Phnom Kraol qui n'était pas loin du bureau du secteur? Réponse. Comme je l'ai déjà indiqué, je n'ai ni vu ni entendu quoi que ce soit concernant des personnes étant arrêtées et envoyées au centre de sécurité. Je vous remercie. J'ai enfin une dernière question sur les mariages forcés et qui est une question de suivi par rapport à celles qui ont été faites par Monsieur le procureur et à celles qui ont été faites par ma consœur ce matin. As well as in follow-up to a question, vous avez dit à plusieurs reprises qu'il fallait le consentement des époux et de leurs parents pour un mariage, et vous l'avez redit ce matin. Monsieur le Président, puis-je évoquer, ce sera le dernier, un document qui est une déclaration de partie civile qui me permettra peut-être de rafraîchir la mémoire du témoin sur ce qu'étaient les mariages forcés. Ce document est le document D22-1433. En français, l'ERN est 0081424. En khmer, l'ERN est 0058 5, 8, 6, 8, 1. Puis-je évoquer rapidement ce dernier document, Monsieur le Président? Quote from these particular documents. Le Président. Je vous en prie, allez-y. C'est donc la déclaration d'un homme, une partie civile qui avait 16 ans en 1975 et qui dit ceci. En fait, en 1978, durant mon affectation à la montagne de Krol, où je m'occupais de la coupe de bois, le chef de l'unité, Rin, m'a forcé à épouser Ei, issue du même groupe ethnique que moi. J'avais alors très peur
et n'osais pas contester son ordre, puisque le contrevenant à l'ordre ferait inévitablement l'objet d'arrestation. Pendant la cérémonie de mariage, il y avait en total 18 couples qui se mettaient en deux rangs, les mariés au premier rang, les mariés et eux, au premier rang, devant les mariés et. Chacun devait déclarer son consentement au mariage. Est-ce que, monsieur le témoin, cela évoque quelque chose à propos des mariages forcés dans votre secteur? Réponse. In 1975, I was en 1975, j'étais dans le district. Mais d'après mes souvenirs, il n'y a pas eu de tel mariage forcé. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je regrette de n'avoir pas réussi à vous rafraîchir la mémoire sur certains points importants. Je précise que les déclarations de partie civile que j'ai utilisées aujourd'hui sont celles de personnes qui vivaient dans le secteur 105 et qui, bien que j'ai choisi quelques extraits, parlent toutes de l'ensemble des politiques du Kampuchea démocratique. Merci. Le président, je vous remercie. I would like to know whether fellow judges of the bench would like to put any questions to the witness. Est-ce que des souhaiteraient poser des questions au témoin, monsieur le juge Laverne, je vous en prie. Oui, merci monsieur le président et bonjour à monsieur le témoin. Good morning. Tout d'abord, witness. Monsieur le témoin, j'espère ne pas écorcher First votre all, nom. Witness, I et hope est-ce que I vous pourriez me dire si votre nom your se name. Prononce Can you please tell me therefore Sarun whether your name so is Sarun. Pronounced as Sao Sarun or So Sarun? Response. My name is Sao Sarun. Mon nom est Sao Sarun. Alors, monsieur le témoin, on a beaucoup parlé des arrestations qui ont eu lieu sur le secteur 105 et en particulier au sein de la division 920. Avant de poser des questions, je me semble important de noter un certain nombre de choses. D'abord, si on se réfère au document D288.68.1, ou au document D81.1, tous les deux des documents qui concernent des listes de prisonniers arrêtés et envoyés à S21. Sur ces listes, si on fait le total des personnes arrêtées comme These provenant du secteur 105 ou la division 920, from on trouve un total de 318 prisonniers. We have a total of 318 prisoners. Il y a un autre document dont il a été There's fait mention, document c'est le document qui concerne la liste des prisonniers arrivés à S21 who arrived le 23 novembre 1977. Et qui provenaient soit de la division 920, soit du secteur 105. Et pour la seule journée, donc du 23 novembre 1977, le nombre de détenus s'élève à 151. Is 151. Il s'agit du document D175/3/31. Alors, il s'agit de chiffres qui ne concernent que S21 et là encore, ils ne concernent pas les centres de sécurité qui ont pu exister sur le secteur 105. Tout d'abord, des questions concernant la structure administrative du secteur 105. On a beaucoup parlé de Lang comme étant le secrétaire du secteur 105. Est-ce que vous pouvez me dire si Lang avait d'autres noms? Whether Lang had another name? Madame Fumiol,
Réponse. I have never remembered knowing the person other than Lang. Je ne me souviens pas l'avoir connu sous un autre nom que Lang. Est-ce que si je vous dis qu'il aurait pu s'appeler Ham et éventuellement utiliser aussi l'alias de Chan, est-ce que ces noms de Ham et Chan sont des noms qui vous disent quelque chose? Ham and Chan mean anything to you? Réponse. I don't know. Je n'en sais rien. On vous a entendu, vous nous avez dit que vous avez fait partie du comité qui avait en charge les affaires médicales au niveau du secteur. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous est arrivé en cette qualité d'avoir des réunions avec Leng ou avec d'autres membres du secteur 105 ou any other members of sector 105, sector 105. Réponse. It is correct that the meeting. Effectivement. In the meeting, there was a discussion on how to. Il a été question promote medical services de la manière d'améliorer les services médicaux patients, et les hôpitaux. Were sent in, then we were asked to take good care of them. On and disait part of my qu'il role. Fallait bien s'occuper des gens qui y étaient envoyés, et cela relevait de mon rôle. Vous nous avez également dit que Leng était parti avec Kham Phun à la fin de l'année 77 à Phnom Penh. In late 1977, est-ce que vous pouvez nous dire si, après la disparition de Leng, il y a eu une autre personne à la tête du secteur 105 was appointed avant to que vous soyez nommé à ces fonctions before you were appointed to head that sector? Autrement dit, entre vous In et Leng, est-ce que quelqu'un Leng, a été à la tête du secteur 105? Et si oui, quelle est cette personne? To head sector 105? And if yes, who was that person? Response. No, there was no non. Other person appointed Il n'y a eu in between. Personne d'autre qui aurait été désigné entre les deux. Quand considérez-vous que vous avez effectivement pris en charge la responsabilité du secteur 105? Est-ce que c'est dès votre retour après la visite à Phnom Penh, après le décès de Leng, ou est-ce que c'est plus tard? That is after the death of Leng. Or later on. Réponse. I resumed my role as the secretary of the sector J'ai repris in the mon rôle aftermath of de secrétaire Leng's death. Du secteur après la mort de September 1978. En septembre 1978. Qui, alors, avait en charge la direction du secteur 105 entre in charge of le début de l'année 78 et septembre 78? The beginning of the year 1978 and September 1978. Réponse. I don't know. Je n'en sais rien. Monsieur
le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire si witness, on vous a demandé please tell us, d'envoyer des télégrammes régulièrement you asked to send au centre, telegrams bureau 870, regularly à to office frère numéro 2 ou à d'autres personnes. Est-ce que brother number two, lorsqu'on vous a demandé de prendre cette responsabilité, when on vous a dit que vous auriez à to communiquer that sector, et à envoyer des télégrammes et were aussi you à en told recevoir that you would be requested to send telegrams and also to receive them? Réponse. I would report directly to Pol Pot. Je faisais directement rapport à Pol Pot. Alors, concernant ces rapports et ces communications, now, nous avons au dossier un nombre important de télégrammes. We nous avons tout d'abord des télégrammes qui ont été échangés entre Leng et Phnom Penh. Leng and Phnom Penh. Par exemple, nous avons le télégramme numéro 3 destiné au frère bien-aimé et cher à mon cœur en date du 12 octobre. C'est un télégramme qui a été adressé en copie à frère Noon au bureau et aux archives. Noon, il s'agit du document E3-1080. Télégramme numéro 00. Le 12 octobre 1976, adressé à cher camarade Dunn, bien-aimé. Ce télégramme a été adressé en copie à frère Noon, au bureau et aux archives. Il s'agit du document E3-1091. Dans ce télégramme, d'ailleurs, Leng annonce qu'il a changé de nom et que désormais, il convient de l'appeler camarade Chan. He had changed names and he le was télégramme known numéro 3 Chan. Du 15 octobre 1976 adressé au cher camarade Dunn bien-aimé. Ce télégramme a été envoyé en copie à frère Noon au bureau et aux archives. Il s'agit du document D366/7.1.780. Il s'agit encore du télégramme numéro 10 du 18 octobre 1976, télégramme adressé au cher frère bien-aimé. Ce télégramme a été adressé en copie à frère Noon, au bureau et aux archives. Il s'agit du document D248/5.1.12. Télégramme numéro 3 du 6 novembre 1976, adressé à frère Noon. Il s'agit du document D252.22. Télégramme numéro 22 du 25 novembre 1976, adressé au cher camarade Pang, bien-aimé. Ce télégramme a été adressé en copie à frère Noon, au bureau et aux archives. Il s'agit du document D366/7.1.785. Télégramme numéro 33 du 26 novembre 1976, adressé au bureau 870 bien-aimé, dont une copie a été adressée à frère Noon, à frère Kieu, au bureau et aux archives. Et enfin, le télégramme du 20 mai 1977, adressé à l'intention du respecté et bien-aimé bureau 870, il s'agit du document IS-21.17. Dans ce document, dans ce télégramme, il est fait état d'une série d'arrestations au sein de la division 920, et il également fait mention des noms de Somme et Chin, qualifié de méprisable, et il également fait état d'un rapport adressé au camarade San. Est-ce que lorsque vous rencontriez Leng ou Chan, il vous disait qu'ils étaient en rapport avec le frère Noon ou avec d'autres personnes à Phnom Penh? Brother Noon and other persons in Phnom Penh. Réponse. When Talang was still in charge, quand Talang était encore
I had no idea where he would responsable. Send the messages. Je ne savais pas à qui il envoyait les messages. In 1978 j'ai assumé only, mes fonctions seulement en 1978 et je ne sais pas ce qui s'est produit avant cela. Alors, pour les besoins du transcript, je crois que j'ai oublié de donner la référence d'un document qui était le télégramme numéro 33, en date du 26 novembre 1976, adressé au bureau 876 Bien-Aimé. Il s'agit du document D-376-7.1.786. Monsieur Sausarun, est-ce que vous avez entendu parler des noms de Did you Sao hear the Kim names? An, alias Mei, Sao Kim An, de alias Cham, Mei, de Pak Chan, et Lok, Pak comme étant des Lok, membres du secteur 105. Who were members of sector 105. Est-ce que ces noms vous évoquent quelque chose? Do these names ring a bell to you? Mal, Alain Kirtablu. Response. Yes, they did. Oui. Savez-vous ce qu'il est arrivé à ces personnes? Do you know what happened to those persons? What became of them? Response. No, I don't. Non. I don't know what happened to them. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Bien, passons à une autre série de questions concernant la structure militaire. Let us go into another line of questioning regarding the military structure. Et plus particulièrement maintenant de la division 920. And in particular, division 920. Est-ce que vous vous souvenez du nom du secrétaire de la division 920 avant le nommé San? Before the person est-ce que called vous San savez was qui appointed? Était la tête de la division 920? Do you know who headed Division 920. Response. No, I don't. Non. I worked at the district. Je travaillais dans le district. Vous étiez en charge du district de Pechenda. You were in charge of si je ne me trompe pas, vous aviez un certain nombre de soldats de la division 920 qui étaient stationnés sur votre district. C'est exact. Who were stationed in your district? Is that correct? Response. As already testified. Before the co-investigating judges. Comme je l'ai déjà dit yes, au co-juge d'instruction, c'est exact. Alors, est-ce que le nom de Meng Meng, alias Chin, Meng, vous dit quelque chose? Chin, ring a bell. But at the call, response, no, I don't know réponse. This person. Non, je ne connais pas cette personne. Alors, pouvez-vous me dire quel était le nom de la personne qui était à la tête de la division 920 avant who was the person de nommer who was San? Head of division 920 before the person called San was appointed. Response. No, réponse. I don't know. Non, je ne sais pas. Est-ce que vous avez entendu prononcer le nom de Hea Choi? Did you hear alias anyone Soy, call alias the name Sia Choi, alias Soy, alias Che ou alias Soy? Est-ce que cette personne aurait pu être l'adjoint could that person have du been secrétaire de la division 920? The assistant to the secretary of division 920. Response. No, I don't know much about this because it was relevant to the military section, which is not part of my business. Parce que cela relève de la section militaire qui ne me concernait pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de San? Est-ce que can c'est quelqu'un que vous avez rencontré? About San, is that someone you met? But, and then came you all. Response. Réponse.
San was the San head of the division. Était le chef de la division. Est-ce que San est toujours vivant? Is San still alive? Ate. Response. No, he isn't. Non. He's deceased. Il est mort. Est-ce que San a un rapport avec Nem San? Is San related to Nem San? Il fait mention lors du procès tenu en 1997 et auquel, pendant lequel Pol Pot et un certain nombre de personnes ont été jugées in which par les Khmer Rouges. And a number of persons were tried. Bad response. I don't know anything about Pol Pot's trial. Je ne sais rien concernant le procès de Pol Pot. Vous n'avez pas habité à Anong Veng? Did you not reside in Anlong Veng? But in Anlong Veng. Response, yes. Si. Et vous n'avez jamais entendu parler du procès de Pol Pot? And you never heard of the Pol Pot trial? But at Lude. Response, no, réponse. I haven't. Non. Bien. Alors, nous avons au dossier un certain nombre de documents qui concernent les communications entre l'état-major et la division 920 ou des télégrammes qui ont été échangés entre as well as la division 920 et un certain nombre de personnes. Un premier document concernant les relations entre l'état-major et la division 920 est le document IS-13.40. Il s'agit du procès-verbal de la réunion de la division 920 du super camarade Soy et Ren super comrade en date Soy du 16 décembre 1976. Dans ce document, on retrouve notamment des directives de Frère 89 sur la façon dont il faut traiter les ennemis. S'agissant des télégrammes, on trouve un télégramme directive du Frère Kieu en date du 23 septembre 1976 adressé au bien-aimé camarade Chin. Ce télégramme a été copié à Frère 81, à Frère Somme, Frère Nat, Frère Ren, et aux archives. Il s'agit du document D248/5.1.11. Télégramme numéro 2 du 26 novembre 1976, adressé par Chin au bien-aimé Frère 89 et copié à Frère 89, Frère 81, Frère Somme, Frère Nat, Frère Ren, les archives. Il s'agit du document D248/5.1.8. Le télégramme numéro 11 du 6 avril 1977, adressé par San, au très respecté et bien-aimé Frère 89. Ce télégramme a été copié à Frère 89, Frère 81, au bureau et aux archives. Il s'agit du document D366/7.1.791. Sur ce document, on trouve d'ailleurs deux annotations manuscrites, une qui indique ceci, à l'attention d'Ankar à titre d'information, et l'autre à arrêter. For information purposes, and le télégramme numéro 5 du 9 juin 1977, adressé par San au frère bien-aimé 89, et copié, donc envoyé en copie à Frère 89, au bureau et aux archives.
Il s'agit du document D248/5.1.1. En ce qui concerne vos relations avec San, monsieur le témoin, si je ne me trompe pas, vous avez reconnu avoir eu des réunions avec ce dernier et avoir indiqué qu'au cours de ces réunions, San était venu avec des listes de personnes. Came with lists qui étaient des listes de personnes à, semble-t-il, arrêter. And it appears that those persons had to be arrested. C'est quelque chose que vous confirmez et est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications sur and ce que faisait San? To provide further explanations on what San did. But come response. Réponse. With regard to the messages and how they were sent, concernant les messages or whether they were sent or not, et la façon dont ils étaient envoyés, s'ils étaient envoyés, je n'en sais rien parce que j'étais au district et je ne sais rien d'autre. Monsieur le témoin, j'ai peur que vous ne m'ayez pas compris. Je ne parlais pas Witness, des messages. I don't think you understood je parlais my question. D'une réunion I wasn't talking of messages. Au cours de laquelle I was vous avez rencontré San meetings, during et which au cours de laquelle San aurait apporté des listes San de personnes qui devaient être persons arrêtées. Who had to be arrested. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir participé à des réunions avec San any et est-ce que vous vous souvenez and si San avait des listes de personnes San à arrêter brought lists of persons to be arrested. Response. There was a meeting. However, il y a eu une réunion. I have no knowledge of mais such list being discussed in the meeting, the list of people je to ne be sais arrested rien d'une because liste it was never de personnes being brought up. À arrêter qui aurait été examiné à la réunion parce que cette question n'a jamais été soulevée. Alors, abordons maintenant Very les well. Centres de sécurité. Let us now talk of quelques questions security centers. I'll put a few questions to you very quickly. On a parlé beaucoup de SOPEA. We have spoken at length est-ce qu'il about est exact SOPEA. De dire que SOPEA is it correct to say that SOPEA tête du réseau des centres de sécurité pour le secteur 105 the network of security qu'il avait en charge Don Crowell, which K11, K17 Crowell, et éventuellement K11, d'autres centres K11, K17 est-ce que c'est comme ça que les choses se présentent centers? Is that the truth? But Alan Réponse. Yes, it is. Oui. And I also stated this before the co-investigating judges. Et je l'ai judges. Aussi dit au co-juge d'instruction. Est-ce que SOPEA avait un adjoint Was SOPEA qui s'appelait assisted by a person Yang, called alias Cam? Yen, alias Cam? Admende. Réponse. No. Non. Wing was with the military section. Wing était dans la section militaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de Sao Champi? Can you tell us something alias about Sao Champi? Alias Non. Qui est Sao Champi? Who was Sao alias Champi? Mom. Alias Mom? Réponse. Sao Champi alias Mang. Sao Champi. This is one person only. Alias Mang. Il s'agissait d'une seule personne. Qui était cette personne par rapport à vous, monsieur? Who is this person relative to your position, Mr. Witness? Réponse. He is my younger sibling. C'était mon frère cadet. Vous aviez des contacts avec lui?
Did you have any contact with him? Réponse. We had usual context. Yes. Nous avions des contacts usuels pour des frères. Quelles étaient ses fonctions? What were his duties? Réponse. He was a member of. Il était a regiment. Membre d'un régiment. Alors, je vais donner lecture d'un extrait du document D125/155. C'est aussi un document qui est déjà produit au débat, qui a la cote E3/506. Le RN en Khmer est le suivant, 00-23-99-41 à 00-23-99-47. Le RN en anglais est 00-24-44-88 à 00-24-44-93. Le RN en français est 00-28-99-37 à 00-28-99-42. Voilà ce que dit donc votre frère quant à ses fonctions. De 1975 à 1979, j'étais chef de l'une des trois compagnies du 2e bataillon de la région 105. Le chef de ce 2e bataillon s'appelait Lang. Il a été arrêté. Lang dirigeait une compagnie. Wang, alias Kam, décédé après 119, était chef d'une compagnie. Wang et moi, nous nous chargions de défendre les frontières. Wang était en poste à Busra, district de Chenda, quant à moi, au district d'Orang. En ce qui concernait notre travail quotidien, je suis venu parfois aux réunions à la région, tenues dans le district de Koh Nyek avec Lang, Sopea, Lang. Et plus tard, je suis aussi venu aux réunions avec Sarun, Talok, Taonsi. Au cours de ces réunions, on parlait des ennemis vietnamiens, de la défense des frontières contre l'invasion vietnamienne. Est-ce que cela vous paraît conforme à la réalité? Yes, it is correct. Oui, c'est exact. But I do not know about the meeting with Talang. Mais je ne suis pas au courant de la réunion avec Talang. But as for the meeting that I attended, en ce qui concerne la réunion à laquelle j'ai participé, c'est vrai. That is to discuss about Vietnamese attack. C'est-à-dire qu'on discutait des attaques vietnamiennes. Un peu plus loin, on lui pose la question, que saviez-vous de la prison à Phnom Krau? What did you know about the detention center at Phnom Krau? Réponse. Answer. Lang s'occupait de la gestion de prison. Lang was responsible. Je ne connaissais pas qui étaient les inférieurs de Talang qui administraient directement la prison. Il était originaire de la province de Ratanaki. Je constatais que Talang ordonnait à ses soldats d'aller arrêter les gens sur l'ordre de Thap Sopea et d'après des rapports envoyés de base. Thap Sopea pouvait venir donner des ordres directement à Talang ou lui en transmettre par courrier ou par un messager. Je ne connaissais pas le messager de Thap Sopea. Je n'ai jamais reçu l'ordre d'arrestation ou de réception des prisonniers. La prison administrée par la compagnie de Ta Lang, se situait à environ 1 km à l'est de Phnom Krau. Cette prison avait été construite à même le sol, avec toiture en chaume. Je ne me rappelle pas le nombre d'appartements ni de maisons. Je me souviens qu'elle était entourée d'une clôture en bois. Je ne suis jamais entré dans l'enceinte de la prison.
Je voyais les prisonniers prendre leur bain, désherbés et scier du bois sans être attachés. Ils avaient une tenue normale, étaient composés d'hommes et de femmes. Je n'y voyais pas d'enfants. Et à l'intérieur de la prison, ils étaient peut-être menottés. Je ne connaissais pas les types de prisonniers, mais ceux qui ont été arrêtés avaient tous commis des infractions. À chaque réunion avec Lang, Sopia, Lang, c'est L-A-I-N-G, c'est le secrétaire du secteur 105, et Sarun, environ une fois par mois. Il parlait souvent du principe selon lequel il était interdit d'entretenir des relations avec les Vietnamiens ou d'avoir une conduite libre, par exemple si on allait guère travailler, car tout contrevenant à ce principe était un ennemi. Ainsi, je constatais que ces prisonniers avaient peut-être réagi à l'encontre du principe en question. Alors, est-ce que ce que je viens de lire vous paraît conforme à vos souvenirs? What I just read to you consistent in an accurate reflection of your memory? But I do not know about that matter. Je ne suis pas au courant de cette question. Concerning about the meeting of the en ce qui concerne number of prisoners, la réunion et le nombre de prisonniers. So moi, j'étais au district et je n'étais pas au courant de ce qui se passait au niveau du secteur. Le président, juge Lavernisky, il vous reste encore plusieurs questions. Combien de questions vous reste-t-il? J'aurais encore une question à poser au témoin. Monsieur le Président. If you would be so obliging. Yes, you can ask it now. Le Président, oui, je vous en prie. Il s'agit d'une question de suivi par rapport au télégramme dont vous êtes présenté comme étant l'auteur et sur lequel vous avez déjà été interrogé longuement. Il s'agit des télégrammes numéro 54 et 55, c'est-à-dire les documents qui portent les références E3-941 et E3-498. Je note que ces télégrammes ont été remis en copie à Oncle Noon, Oncle Van, Oncle Vaughn, au bureau et aux archives. Alors, ma question est relativement simple. Est-ce que vous saviez, lorsque vous adressez un télégramme au frère bien-aimé, puisqu'en général c'est comme ça que vous adressiez vos télégrammes, que ces télégrammes étaient envoyés à un nombre important de destinataires, notamment frère numéro 2, Yang Sari, oncle Van, Vaughn, ainsi qu'au bureau et aux archives? Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez conscience? Were you aware of that? Réponse. It is like what I told the co-investigating judges. C'est comme je l'ai indiqué au co-juge d'instruction. But I did not mention the names. J'ai également inscrit cela, mais je n'avais pas mentionné les noms. Wan et Veg. J'écrivais. Ce que j'écrivais était adressé uniquement à Pol Pot, et ça, je l'ai écrit. Bien, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin, Monsieur le Président. Thank you very much. I have no further questions to put to the witness, Mr. President. Le Président, je vous remercie. We are a bit beyond the time. Nous avons un peu dépassé l'heure. De la pause. Avant de lever l'audience, la Chambre désire s'informer de l'état de santé du témoin. Pensez-vous pouvoir continuer à témoigner au cours de l'après-midi? Le témoin, oui, je pourrais continuer. Monsieur le Président. Le Président, merci.
Yes, the defense counsel for Mr. Nguyen-Thieu may proceed. Thank you, Mr. President. My client, Mr. Nguyen-Thieu, would like to follow the proceedings from the holding cell this afternoon, and we have suivre the waiver prepared. La poursuite des débats à partir de la cellule d'instruction provisoire, et nous avons préparé la documentation adéquate pour ceci. President, it is now appropriate for us to adjourn for lunch break. Le moment est venu de lever la séance pour le déjeuner, et nous allons donc faire une pause jusqu'à 13h30. L'huissier organisera un lieu pour le témoin et son avocat, et il seront de retour à l'heure dite. The chamber has been seized with the request of Mr. La chambre est saisie de la demande de M. Nguyen-Thieu par le biais de son conseil, demandant la possibilité de suivre les débats de l'après-midi en abandonnant son droit à être présent physiquement dans le prétoire. Le conseil de défense a promis qu'il soumettrait la documentation écrite portant la signature ou l'empreinte digitale de l'accusé Nguyen-Thieu. To follow the proceeding from l'accusé désire suivre les débats à partir de la cellule de détention temporaire au sous-sol, abandonne son droit à être présent dans le prétoire. La chambre signale que le conseil de la défense devra soumettre donc le formulaire requis portant la signature ou l'empreinte digitale de l'accusé, ce qui permettra à l'accusé à ce moment-là de suivre les débats à partir de la cellule de détention temporaire située au sous-sol. La sécurité peut maintenant emmener les accusés et permettra à M. Nguyen-Thieu de suivre les débats à distance. M. Kiesampang devra être de retour dans le prétoire à 13h30. Veuillez vous lever.